Master et Masterette, on se retrouve sur Red Dead Redemption, le jeu super attendu. Je suis en compagnie de Yui Masami. Salut Yui. Salut tout le monde. Ouais, et donc là j'étais obligé de faire une vidéo pour vous montrer au moins la base, le minimum. Vraiment, là je viens d'aller commencer le jeu, il vient de sortir aujourd'hui. Donc voilà, j'ai précommandé la version collector, donc j'aurai, vous avez les deux extensions en plus. Ça sera surtout sur le multi. Et là, franchement, regardez, je n'ai même pas encore commencé le jeu. Hein. Le graphisme, waouh, regardez la neige au moment où je marche, quoi, c'est magnifique, franchement. Oh, c'est une claque. C'est une claque, hein. Franchement, je m'attendais à du beau graphisme, alors là. C'est fou, c'est vraiment fou. Le temps, on nous avait déjà dit par rapport au temps que le blizzard, tout ça, la météo allait changer. Ça, je le savais déjà. Il y avait beaucoup de youtubeurs aussi qui l'avaient dit. Mais là, franchement, regardez avec le pas, les pas du cheval. En plus, regardez, il gratte la neige. C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. C'est vraiment magnifique. Hein. Franchement. Moi je suis étonné du graphisme là. Yui il n'a pas voulu me dire et il m'a dit tu verras par toi-même. Et là franchement, waouh. Donc je vais pas pareil dans tous les jeux, je vais pas tout vous spoiler, l'histoire et tout ça. Je préfère vous laisser aussi la surprise. Mais au moins vite fait vous montrer un petit peu les graphismes et la base. Donc je ferai plein de tutos, plein de conseils, plein de... pour vous aider, plein de vidéos, je montrer quelle arme et voilà, quelles statistiques ils ont, voilà des exemples. Même des bêtes à trouver aussi, parce que forcément il y aura aussi de la chasse en multi. Des passages de bêtes, etc. Voilà, comment ça se passe. Exactement, il y a plein de choses à savoir. Donc déjà ceux qui sont déjà expérimentés du Red Dead Redemption 1, forcément... savent qu'il y a beaucoup de temps de jeu. Donc en plus Yui m'a montré le nombre de dialogues. Donc il y a plus de 600 000 dialogues. Il y a combien, tu m'avais dit, 3000 acteurs. 300 000 dialogues. Il y a... Attends, je reviens sur mes statistiques. Voilà, il va vous dire les statistiques, parce que ça, on avait vu ça, et c'est vraiment... Il m'a montré ça sur une affiche de YouTube, et c'est extraordinaire. Il y a 300 000 animations, 500 000 lignes de dialogue. Donc en gros, si ceux qui veulent rusher le jeu, bah, bonne chance, c'est 65 heures. Hein, voilà. Et plus, pour ceux qui ne veulent pas le rusher, forcément. Et bah, il y aura un mode en ligne, forcément aussi. 1200 acteurs qui ont fait ce jeu. Et 700 doubleurs. C'est fou. Voilà. C'est... Et forcément, bah, pour ceux qui achètent le jeu en CD, il y a deux Blu-ray. Un pour installer le jeu et le deuxième pour jouer directement. C'est fou, franchement. Donc voilà, les statistiques. Merci Yui. Et ça va être vraiment... Il va vraiment y avoir du temps de jeu. Même si vous voulez rusher le jeu, pensez pas du tout que ça va être comme un Call of où vous allez finir le jeu en deux jours de temps. Vraiment, il y aura énormément de défis. Il y aura énormément de défis à faire. Et comme je vous ai dit, forcément, on sait pas encore tout ce qui est faune, flore, etc. Donc je vais vraiment jouer au jeu et vous en dire au fur et à mesure de plus en plus. Voilà, c'était juste une petite vidéo parenthèse, déjà pour vous montrer un petit peu les graphismes sans vraiment trop vous spoiler. Donc merci déjà Yui pour les statistiques. Je vous tiendrai au courant. Surtout n'hésitez pas à demander dans les commentaires ce que vous avez besoin d'aide pour trouver une créature ou pour n'importe quoi, pour avoir des coups de main au niveau des aides, au niveau des armes, etc., des missions, comment finir ça, etc. Si vraiment vous êtes dans la guerre et dans la galère et que vous avez du mal à finir quelque chose, n'hésitez pas, on vous aidera, il n'y a pas de souci, et peut-être même des futures demandes d'amis. Donc voilà, je vous dis ciao ciao, bye bye, merci Yui. Pas de souci, à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ouais, allez, n'oubliez pas, The Master is you. It's not the game. Ouais, I'm not the game. Allez, ciao, ciao, bye bye. Et on va faire.
faire des putains de captures, des putains de vidéos, parce que la vache. Ah ouais, non mais là l'eau, c'est magnifique. L'eau, franchement, c'est super beau là. C'est fou comment c'est beau. Oh là là, moi, j'ose pas trop. Ah peut-être je me fais même entraîner avec avec le cheval. C'est hyper beau, franchement. Oh, on se calme, on se calme. Et on se croit vraiment dans un film, dans le mode cinéma, c'est un truc taré. Regardez-moi ça, franchement, le graphisme. Waouh. 8 ans. 8 ans, mon pote, ils ont pas chômé pendant 8 ans. Hein. C'est clair. Ça, quoi. Genre, t'as le blizzard en bas. J'étais dans le blizzard, puis d'un coup je suis monté dans la falaise, le blizzard se finit. C'est là la météo, quoi. Waouh! Franchement, oh, c'est tellement du lourd. Regardez-moi ça, les graphismes. Waouh! C'est tellement beau. Tellement un film, je pense. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Wow. Moi ça, putain. Les détails. Poissons, c'est ouf. Oh là là. Oh là là, on peut les voir et tout. C'est fou. C'est... Waouh. Les détails, c'est un truc de malade. C'est un truc de taille. Vraiment...